aujourd'hui, je vais vous parler des vies antérieures. Je vais vous raconter, vous décrire un peu les différentes techniques qui existent pour pouvoir essayer de les retrouver. Et puis aussi de savoir si c'est vraiment nécessaire de retrouver nos vies antérieures. Et dans quel cas, vraiment, il est bon ou il est peut-être nécessaire de faire une investigation dans le passé. Donc en ce qui me concerne, j'ai quelques souvenirs de mes vies antérieures assez facilement, sans forcément procéder à une technique particulière, mais mes souvenirs me reviennent comme ça. Donc j'en ai quelques-unes sur les milliers des milliers de vies qu'on a vécues. Fort heureusement, on ne se rappelle que d'une infime partie. Parce que si on devait se rappeler toutes nos vies, je pense que ça serait vraiment ingérable sur Terre. On a déjà assez de problèmes comme ça. Si en plus on se ramenait tous nos souvenirs avec tous les problèmes, tout ce qu'on a vécu dans toutes nos vies, ça serait la folie, on deviendrait vite fou. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'incarnation, il y a une substance qui est sécrétée quelque part, je crois dans l'hypophyse, mais je ne suis pas sûr de quel endroit exactement, peu importe. Hein. Et une substance qui est une substance un peu éthérée, hein, qui est sécrétée et qui fait que ça va nous occulter toutes nos mémoires, tout notre vécu de nos vies passées. Bon, il arrive quelquefois que ça marche, il y a un petit bug, hein, on va dire, ça marche pas très bien, et ça laisse passer malgré tout quelques souvenirs de nos vies. Donc c'est pour ça que il arrive assez souvent maintenant qu'il y a des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans qui ont des très bons souvenirs de leur vie passée. En général, c'est la dernière, hein, mais ça peut être d'autres aussi. Donc ça va interférer quelque peu sur leur parcours de vie à un moment donné. Et puis vers l'âge adolescent, adulte, ça va commencer à se perdre et on va oublier un peu ces souvenirs-là. Mais il y a des personnes comme ça aussi qui se rappellent de leur vie, de certaines en tout cas de leur vie passée, assez facilement. Et parce qu'il y a eu peut-être un petit bug, on va dire, au moment de l'incarnation, on va dire, voilà, ça peut expliquer ces souvenirs. Et puis, donc en fait, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique effectivement de la sortie du corps, du voyage astral, c'est-à-dire que la personne va se dédoubler, va aller dans les annales akashiques et va revivre ses vies passées. Il y a aussi, on peut aussi puiser dans ce qu'on appelle l'éther, c'est-à-dire c'est un miroir qui capte les événements sur Terre, mais c'est un miroir, donc effet miroir, qui dit effet miroir, dit effet parfois déformant, donc on peut ramener des souvenirs qui sont, enfin du moins on peut avoir des visions qui ne sont pas forcément aussi justes que celles des annales akashiques. Donc c'est pour ça que quand vous allez voir une voyante ou un voyant qui vous dit votre avenir ou vos vies passées, en général, s'il est honnête, ce qui est assez rare, il va plonger dans l'éther. Donc il vous dira un peu des choses vraies et puis il y aura des choses fausses. Donc ça a évité quand même les voyants à ce niveau-là. On peut aussi avoir on peut y avoir accès aussi à travers l'astrologie, à travers l'astrologie peut vous donner des éléments, hein, malgré tout. Et puis il y a des techniques comme ça qui surgissent aussi, parfois qui sont marrantes. Moi c'est une technique qui me vient par exemple quand je conduis, quand je suis en voiture, tout simplement. Je sais pas, peut-être que vous avez remarqué que quand vous conduisez, vous pouvez avoir des fois des solutions à vos problèmes, parce que ce qui se passe, c'est que vous avez une partie de votre conscient qui se déconnecte, dans le sens où il doit conduire. Il doit avoir posé son attention inconsciente ou quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une autre partie de votre cerveau qui est activée dans l'inconscient. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ce qui fait que vous êtes un peu dans un état un peu méditatif quelque part, hein. Ce qui fait que vous avez accès à d'autres possibilités, d'autres sources. Et c'est ce qui se passe pour moi. Souvent, des fois, j'ai des flashs de vie passée ou de vie future, même des fois, ou même de vie parallèle quand je conduis. Aussi bizarrement que ça peut être. Et c'est très très souvent, c'est une source qui peut être une source, pas d'inspiration, mais en tout cas une technique qui peut marcher. Mais il ne faut pas chercher à le provoquer, ça se fait tout seul. Il y a une autre technique qui consiste, enfin,
en ce qui me concerne, qui en regardant la télé, parce qu'il se passe à peu près le même phénomène. C'est-à-dire que vous regardez, vous êtes, votre esprit est focalisé sur ce que vous regardez. Et si c'est quelque chose qui vous captive, parce que moi ça m'arrive souvent quand je regarde un documentaire historique par exemple, je vais être, je vais plonger dans ce documentaire parce qu'il me passionne et je vais connecter de manière inconsciente dans les annales akashiques. Grâce à c'est mon sixième chakra qui va se mettre en route à ce moment-là, il va se faire une connexion et je vais avoir une scène venant de l'akasha qui va se juxtaposer sur le documentaire que je suis en train de regarder. Et en général, c'est similaire, c'est-à-dire je regarde un document qui, par exemple qui date du Moyen-Âge et je vais avoir une scène du Moyen-Âge qui va se juxtaposer, mais une scène beaucoup plus précise, beaucoup plus puissante, avec toutes les sensations qu'on pourrait avoir si vous l'aviez vécu. Et ça va se juxtaposer. Alors des fois, je me suis dit, et ça arrive assez fréquemment, j'arrive un peu même à prolonger l'état, à le contrôler, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que à chaque fois que je vois un documentaire comme différent de l'histoire, à chaque fois, j'aurai un souvenir d'une vie. Je dis, pourquoi pas, mais des fois, ça ne correspond pas, parce que par exemple, je vois un documentaire datant par exemple des années 30, et je me vois parfaitement vivre en France, avoir la vie particulière comme ça. Puis je vais avoir, si je regarde à la même époque, au même moment, un documentaire par exemple dans un autre pays, je vais ressentir la même chose. Je me dis, ça ne peut pas coller, je ne peux pas être partout à la fois à ce moment-là. Dans cette vie-là, je ne pouvais pas vivre une vie simultanément dans tous les pays. Moi, ce que je sois un grand voyageur, mais ça ne collait pas, ça ne pouvait pas coller. Pas au niveau des sensations. Donc ce que je me suis dit, c'est que je capte essentiellement la mémoire du temps, en ce moment-là, qui n'est pas forcément une vie antérieure, me concernant. Donc, à ce moment-là, c'est là où ça commence à être compliqué, c'est qu'il faut arriver à discerner ce qui est une mémoire du temps et ce qui est en rapport avec votre véritable vécu, votre véritable vie antérieure. Et là, c'est assez pointu, c'est assez difficile, j'avoue. Mais on peut le faire un peu avec de la logique et du discernement. Et puis il y a une espèce de ressenti intérieur qui fait qu'on arrive à discerner. Quand moi je me remémore mes vies passées, qui me sont réelles, je peux remonter, je peux la revivre pratiquement du début jusqu'à la fin. Pratiquement. Et ça va être quand même différent d'un vécu au niveau des annales akashiques. C'est différent parce que dans le vécu des annales akashiques, je vais voir un scénario se dérouler. Dans un vécu de vie antérieure, je vais pouvoir, je vais pas le subir, je vais le vivre, je vais le contrôler, je vais le diriger. Disons que je sais où je vais. Parce que je suis mon propre personnage, à ce moment-là en tout cas. Et encore que ça peut être encore différent, parce que dans les annales akashiques, vous pouvez prendre la vie. Vous pouvez revivre l'époque en prenant la vie de notre personnage, qui n'est pas forcément la vôtre. Donc là aussi, ça devrait être très très compliqué. Mais il y a une sensation particulière, quelque chose qui vous dit quand c'est vous et quand c'est pas vous. Voilà, ça c'est intérieur, c'est propre à chaque personne. Après, il y a aussi les régressions par hypnose. Donc dans ces cas-là, on va régresser lentement dans le temps, jusqu'à la mort, jusqu'à la naissance, jusqu'aux prochaines visites. Dans ces cas-là, il faut faire confiance au thérapeute qui va vous faire cette régression, en ayant confiance en ses capacités. Il ne faut pas qu'il vous induise des faux souvenirs, il ne faut pas qu'il vous contrôle. Vous voyez, il faut vraiment qu'il soit bon, qu'il soit d'un bon niveau pour pas que ça soit faussé. Ça, bon, il en existe des très bons, il en existe peut-être des moins bons aussi. Mais c'est une technique qui existe aussi pour revivre nos vies antérieures. Alors, dans quel but ça peut servir on va se dire, ouais, mais bon, on est dans le présent, il faut vivre notre instant présent, pourquoi aller rechercher forcément des vies antérieures et, voilà, ça sert à quoi? Alors, effectivement, c'est pas important à savoir. Après, il peut, comment dire, dans des cas particuliers, ça peut être vraiment un bon outil. Voilà. Moi, il m'arrive aussi, par exemple, quand je fais les soins esséniens,
je fais une lecture d'aura à la personne et je vais, pour essayer de comprendre sa problématique actuelle, je vais lire en elle et je peux voir, avoir accès à ses vies antérieures. Je vais les voir défiler à travers elle. Donc ce sont ces vies antérieures qui vont me révéler l'origine de la problématique du présent. Donc dans ce cas précis, effectivement, ça sert. Là, ça peut être très utile d'investiguer dans le passé. Parce qu'on peut avoir accès à l'origine d'une maladie karmique, par exemple, qui se révèle maintenant. Donc à partir de là, on va faire tout un travail pour purifier tout ça, nettoyer tout ça, les fonds pensés qui y sont issus. Donc là, effectivement, ça sert. Parce que si on peut aussi se dire, on peut prendre l'inverse, on va dire, pour comprendre nos vies passées, il faut voir notre vécu, notre présent. Donc voyez dans quel état vous êtes dans votre présent actuellement, vous comprendrez ce que vous avez fait dans vos vies passées. Par exemple, quelqu'un qui va avoir une vie, bon, c'est très schématique, c'est très, voilà, c'est, par exemple, quelqu'un qui aura une vie de pauvreté, quelque chose d'assez dur dans sa vie, peut-être que dans une vie passée, c'était quelqu'un de riche qui a été avare, qui a été très dur envers les autres, quelqu'un qui a eu du pouvoir et qui maintenant n'en a plus, parce qu'il doit expérimenter sa contrepartie. Ça peut être ça aussi. Et c'est souvent ça, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, on peut, mais disons que je pense que investiguer les vies antérieures dans des cas particuliers, il ne faut pas en abuser, évidemment. Ça peut vraiment aider quand même à résoudre les problèmes actuels qu'on a, surtout qu'on a beaucoup de problèmes qui sont en train de se résoudre actuellement et qui viennent essentiellement beaucoup de vies passées. Beaucoup de vies, plusieurs vies passées, des karmas accumulés de vie en vie. Et c'est bien de revenir à l'origine. Moi, j'ai fait des régressions pour des personnes, effectivement, on peut remonter des milliers d'années à l'origine du problème actuel. Parce qu'on aura répété de vie en vie la même problématique. Donc, ça peut être un bon outil, ça peut être vraiment intéressant d'y aller. Par contre, ça peut être aussi très dérangeant, hein, parce que on ne sait pas ce qu'on va trouver. Vous pouvez trouver des belles vies, vous aurez toujours des belles vies, mais vous pouvez trouver des vies très dures, des vies où vous avez souffert, vous avez été assassiné, ou alors vous avez fait le mal. Ça peut arriver, ça fait partie du chemin de vie, ça fait partie de l'expérience de la vie. On a tous eu des vies un peu, un peu plus dures, ou un peu plus, ou même plus riches que celles que vous vivez actuellement. Peu importe, mais c'est vrai que ça peut être très dérangeant à revivre, hein, quelque part, que ça soit par hypnose, si vous avez fait un jour où vous faites des régressions, moi j'en ai fait quelques-unes, je vais en faire d'autres pour des cas bien particuliers, mais c'est vrai que bon, j'ai des souvenirs même présents, sans forcer, de certaines vies, où si je dois faire une comparaison, évidemment, sur un plan matériel, c'était nettement supérieur à ce que je vivais maintenant, à ce que je vis maintenant. Bon, c'est comme ça, après voilà, je m'y attache pas, donc c'est pas grave. Mais des fois, on peut avoir une certaine nostalgie qui peut venir par rapport aux vies qu'on a vécues dans notre chemin, dans notre évolution, parce qu'on en vit tellement. Alors, il y en a qui disent on vit cette vie. Mais non, on ne vit pas cette vie, on en vit des milliards, des millions, des milliards. En fait, on en vit autant que c'est nécessaire, jusqu'au jour où on quitte ce cycle de la réincarnation, pour passer à un niveau supérieur, mais c'est bien, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Avant de quitter ça, il faut vraiment passer par un stade de purification, par des stades d'éveil vraiment puissants. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport aux vies antérieures? Alors, il y a quelques théories qui font que on classe toujours, pas comme la vie ou l'histoire, par passé, présent et futur. Bon, moi j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Au-delà, ultimement, tout se vit simultanément, c'est-à-dire le passé, présent et futur. Tout se vit au même instant, dans un même continuum. Donc ça veut dire qu'on n'a même plus de vie passée. Alors, c'est vraiment sur un plan ultime. Ça veut dire que si on part sur cette théorie-là, il arrive à un moment donné où vous pourrez modifier vos vies passées. Imaginons, vous avez eu votre vie actuelle
elle a été déterminée par un acte, supposons, hein, c'est une supposition, par un acte qui a été très dur dans une vie passée, qui vous suit depuis des milliers de vies. Arrivé à un moment ultime, quand vous aurez vraiment dépassé tout ça, le cycle des incarnations presque, vous allez pouvoir transcender tout ça, vu que le temps n'est plus linéaire, et vous allez modifier, répéter votre, cet événement, jusqu'à le modifier et qu'il ne soit plus le même. Donc ça va modifier toutes vos vies, enfin c'est assez... Toute votre évolution, ça vous allez purifier totalement dans son ensemble tous vos actes passés. Ça veut dire que on peut très bien imaginer, par exemple, dans le passé, bon, je vous donne un exemple un peu dur, mais imaginez simplement que un jour, notre cher Adolf Hitler, par exemple, prenne conscience de tous ces actes négatifs qu'il a fait, revive son passé, et au lieu de devenir un dictateur, devienne le peintre, l'artiste qu'il aurait toujours voulu devenir. Ça va changer sa vie, et ça va changer la vie de millions d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement réalisable, et qui se réalisera probablement à un moment donné, dans l'évolution de ces êtres-là, de cet être-là, et de l'homme en général. Donc ça voudra dire que tout ce que nous avons vécu ne sera plus la même chose. Ça, je sais, j'ai pu le voir, hein, j'ai pu avoir accès un peu à une approche concernant ça, surtout au niveau des vies parallèles, parce que les vies parallèles, c'est encore autre chose. J'en ai parlé dans une de mes vidéos là, qui est pas mal regardée. On détermine nos vies à partir de choix que l'on fait à un moment donné. Donc, si on arrive à transcender le temps à ce niveau-là, on peut tout modifier. Tout sera modifiable, et effectivement, il n'y aura pas eu la guerre mondiale, il n'y aura pas eu tous ces morts, il n'y aura pas eu tout ça. C'est pour montrer aussi le côté illusoire de ce que nous vivons actuellement. Donc ça montre aussi que le côté vie antérieure, pour l'instant, il est axé sur un premier niveau entre passé, présent et futur. C'est une lecture qui est vraie, mais ultimement, ça se confond. Le temps se confond. Hein, ça part... toutes les vies peuvent être vies en même temps, on peut vivre, il n'y a plus de passé, c'est-à-dire que là je vis présent, mais en même temps je continue à vivre ma vie, par exemple au temps des Romains, en imaginant, elle vit de la même manière. Et ça explique aussi des fois le passage dans le temps, le voyage dans le temps, puisqu'il n'y a plus de notion justement de passé et de futur, on peut transcender les époques, s'il y a encore époque, grâce à cette théorie-là. C'est un peu compliqué, je l'avoue, même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Mais on va rester sur un schéma encore bien 3D, hein, parce qu'on y est encore. Si vous voulez... Et ce qu'on peut dire aussi, c'est... Moi, quand je vis, par exemple, pour montrer ça, quand je revis une vie antérieure, elle est aussi présente, aussi vive, aussi... réelle, aussi active que la vie que je vis maintenant. Donc il n'y a pas cette notion de temps, même si elle date de milliers d'années, j'ai l'impression que le souvenir, il est d'aujourd'hui, ou d'hier, ou d'avant-hier. C'est aussi vif que ça. Donc c'est assez curieux, hein, paradoxalement. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire un peu sur les vies antérieures. Je pense que j'ai pas oublié grand chose. Après, il y a des petits. Si vous voulez faire des petites expériences chez vous, il y a une expérience qui est très simple. Si vous voulez voir défiler ce à quoi vous avez pu ressembler dans d'autres vies, bah, si vous êtes à deux, il suffit de vous mettre dans la pénombre un peu avec un éclairage tamisé. L'essentiel, c'est que vous puissiez encore voir plus ou moins votre visage et votre regard. Et puis vous fixez comme ça tous les deux. Vous verrez au bout d'un moment votre visage devenir noir, disparaître, et d'autres visages apparaître. Ça va défiler, vous verrez des visages différents, des femmes, des hommes, des barbus, enfin peu importe. Et en fait, c'est le visage de vos vies antérieures, de la vie antérieure de la personne que vous regardez qui va défiler. Vous pouvez faire la même chose tout seul, si vous êtes seul dans un miroir, si vous n'avez pas peur, parce que ça peut être un côté un peu effrayant par moment. Hein. Donc voilà, ça c'est une petite expérience qu'on fait quand on est
on est un peu curieux de voir un peu, puis quand on teste un peu les différentes possibilités, voilà, ça, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté. Hein. Donc ça, c'est marrant. Et puis, voilà, ce que j'avais à vous dire. Alors là, j'avais aussi répondre à deux ou trois questions qu'on m'a posées, qui sont plus en rapport avec les vies antérieures, mais en rapport avec le monde astral. On m'a demandé, on m'a posé la question, savoir si dans l'astral, j'avais rencontré le diable, ou si j'avais rencontré Dieu, ou si j'avais vu l'enfer. Si l'enfer existait, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. Alors là, je vais vous surprendre un peu. Dieu, je ne l'ai jamais rencontré. Le diable, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, j'ai rencontré des démons. Effectivement, ça existe. Et ce sont des entités du bas astral. Effectivement, le bas astral peut correspondre à l'enfer des religions, tel qu'il est décrit. Mais ce n'est ni plus ni moins qu'une création de l'humanité, de l'homme. C'est une création mentale. Comme les démons, comme les entités démoniaques, les choses comme ça. Après, là où je vous surprends, c'est que je ne crois pas ni au diable, ni en Dieu créateur. Un Dieu créateur selon le concept religieux. Je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi. Mais en tout cas, pas à l'idée qu'on s'en fait. Voilà. Donc le diable, ne vous inquiétez pas, c'est pas. Voilà. Il n'y a pas ça dans l'astral. Effectivement, il y a des personnes qui font des sorties hors du corps ou des NDE négatives, c'est-à-dire qu'ils sont plongés par la peur dans le bas astral, mais j'en ai déjà parlé, hein, c'est simplement ça. C'est pas une punition, voilà. On ne va pas dans le bas astral par punition, il n'y a pas un être démoniaque qui va vous juger, qui va dire « toi, tu as fait des mauvais actes, tu vas aller dans l'astral ». Enfin, tu vas aller dans l'enfer, quoi. Non, ça se passe pas comme ça, évidemment. Vous êtes votre seul et unique propre juge. Quand vous passez devant, dans la mémoire akashique, au moment de votre mort, vous revivez dans les deux sens, depuis la naissance jusqu'à votre mort, et depuis votre mort jusqu'à la naissance, tous les actes que vous avez faits, vous avez vécu, vous les revivez, et vous revivez ce que vous avez fait vivre aux autres aussi. C'est-à-dire, vous avez fait du mal aux autres, vous allez revivre sa propre douleur. Si vous avez fait du bien, évidemment. Mais tout ça, c'est simplement, c'est vous-même qui vous jugez, il n'y aura pas quelqu'un, il y a des guides qui vous accompagnent, évidemment, vous êtes accompagné. Si vous êtes un peu perdu, ils vont vous guider un peu sur la marche à suivre. Mais il n'y a pas un jugement avec un être ou Saint-Joseph, non, je ne sais plus, je crois que c'est Saint-Joseph, qui est Saint-Pierre, enfin je ne sais plus, qui vous attend, qui veut dire, voilà, je vais peser votre âme. C'est symbolique tout ça, hein, même si on prend le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, c'est vous-même, ça vous mène à vous-même, c'est vous-même qui vous jugez, il n'y a pas un dieu extérieur, comme dans la religion catholique ou dans les autres religions, j'en sais rien, je ne connais pas toutes, qui est là pour vous dire, vous irez en enfer, vous irez au purgatoire, vous irez au paradis. Non, ça, ne vous inquiétez pas, ça ne se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus cool que ça. Hein. Par contre, ça n'empêche pas que votre karma, quand même, ou votre niveau de conscience risque de vous faire vivre parfois des épisodes un peu malheureux. Mais voilà, après, je reparlerai peut-être un jour de du concept d'un dieu créateur, et du concept, bon, le diable, c'est même pas la peine, n'en parlons pas, il n'y a pas ça, c'est pas opposé comme ça, ça ne marche pas comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, le jour où vous mourrez, vous ne rencontrerez pas le diable, sauf si vous y croyez. Évidemment, si vous croyez au diable, si vous croyez au châtiment, ben vous le vivrez, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est vous-même qui avez créé tout ça. Voilà, ça c'était juste pour répondre à deux ou trois questions que vous m'avez posées. Et puis c'est tout, voilà, donc pour ce soir, ça ira, j'ai pas d'autres questions. Si vous avez par contre d'autres idées, ben, faites-les moi parvenir, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis en appuyant sur la petite cloche pour recevoir les petites notifications. Et puis si vous avez la possibilité, si vous l'avez pas, c'est pas grave, mais comme vous avez vu, j'essaye de faire... de réunir un peu des fonds pour avoir un peu de matériel, parce que j'ai pas les moyens de m'acheter malheureusement du matériel pour faire de la bonne vidéo. Et là, ça devient vraiment très compliqué pour faire des vidéos. Je dois vraiment prendre du temps. Enfin, c'est très compliqué pour avoir une qualité à peu près bonne. J'ai pas besoin de beaucoup, mais si vous le souhaitez, bah, vous me faites un don de 2 euros sur ou d'un euro, peu importe, ou rien du tout si vous pouvez pas. Mais voilà, ça m'aiderait, j'ai besoin vraiment d'avoir un bon matériel parce que j'ai plein d'idées et qui pourraient vous intéresser par la suite. Mais j'ai besoin d'avoir du matériel qui tienne la route.
Voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Et si vous aimez ma vidéo, mettez un petit like, ça serait super. Voilà, à bientôt, merci.